Les églises chrétiennes entrent, paraît-il, dans le temps de l'Avent, un temps d'attente et de préparation de Noël. Alors même si ces temps liturgiques ne sont pas tellement dans la culture protestante réformée, un petit geste de fraternité, d'ouverture envers nos frères et sœurs catholiques, luthériens, anglicans, ne peut nous faire que du bien. Alors, il y a même, voyez, des bougies qui sont arrivées, voilà, pour marquer ce temps de l'Avent. Et je vous propose donc de vous ouvrir à cette attente de Noël en entendant un passage de la lettre aux Hébreux à la fin du chapitre 10 et le début du chapitre 11. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont foi pour sauver leur âme. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause de la foi que les anciens ont reçu un bon témoignage. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce que l'on voit ne provient pas de ce qui est visible. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Et par la foi, il fut déclaré juste. Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes, et par elles, quoique mort, il parle encore. C'est par la foi qu'Énoch, descendant de Caïn, fut enlevé, de sorte qu'il ne vit pas la mort. Et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit avoir foi qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une pieuse crainte, construisit une arche pour sauver sa famille. Et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, mais comme en un pays étranger, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritier avec lui de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose de poursuivre dans cette attente, qui est celle donc d'Abraham déjà, en chantant le cantique 87, donc dans le petit recueil Louanges et prières, le cantique de Zacharie, donc le père de Jean-Baptiste, le cousin de Jésus. Cantique de Zacharie, numéro 87, nous allons chanter les strophes 1, 4 et 5.
Éternel notre Dieu, nous voici devant toi pour recevoir ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Permets que dans ces témoignages anciens que nous avons entendus, nous puissions chacun découvrir ce qui vient de toi et que tu veux nous donner. Tu nous as dit que tu nous donnerais ton esprit, c'est notre espérance, afin qu'à l'occasion de ce temps de culte, nous recevions une nourriture pour notre foi, une lumière pour notre espérance et un amour vrai qui anime nos cœurs, nos paroles, nos pensées et nos actes. Le temps de l'Avent nous encourage donc à plus et mieux attendre quelque chose dans notre existence. Alors c'est en attendant la venue du Christ, mais cela nous encourage, oui, à attendre quelque chose, à plus et mieux attendre. Alors ce n'est pas facile en fait, et il y a plusieurs raisons pour cela. D'abord, c'est parce que nous savons très bien qu'il peut arriver plein de choses que nous n'avions pas prévues et nous craignons d'être déçus. Par exemple, il arrive que des parents soient tout à fait désarçonnés par l'enfant qu'ils ont rêvé d'avoir ou qu'ils ont adopté, au point de regretter qu'il n'existe pas un service après-vente auquel on puisse rendre l'enfant et peut-être en avoir un autre à la place. C'est la même chose pour bien de nos attentes, finalement. Et puis nous craignons d'être un peu comme une girouette, de ne plus désirer demain ce que nous espérons aujourd'hui de toute notre âme. C'est la crainte de bien des fiancés quand ils viennent nous rencontrer. Souvent, ils sont ensemble depuis 5 ans ou 10 ans peut-être quand ils pensent à se marier. Et j'ai l'impression que ce qu'ils redoutent le plus, ce n'est pas tant de ne plus être aimé par l'autre ou qu'il arrive un accident, mais c'est qu'il leur arrive un jour, en eux-mêmes, de ne plus aimer, de ne plus rien ressentir pour cette personne avec qui ils s'engagent aujourd'hui. Et puis enfin, quand on regarde en vérité, nous avons parfois un peu honte de ce que nous désirons, de ce que nous attendons. Et effectivement, on peut se poser la question, qu'est-ce que j'attendais en réalité pour me mettre en colère ainsi devant telle situation? Qu'est-ce que j'attends en réalité quand j'espère tellement trouver un conjoint dans ma vie? Et pourquoi est-ce que j'ai envie d'acheter cela, d'avoir tel projet, de réaliser tel investissement? Et puis, est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir un enfant et pourquoi? Et qu'est-ce que j'attends de la nouvelle situation d'avoir une famille avec des enfants? Qu'est-ce que j'attends réellement? Et donc, oui, il est difficile d'attendre quelque chose de la vie et de bien attendre. Nos pires souffrances, peut-être aussi, sont celles auxquelles on s'attend, celles que l'on craint. Et cela aussi noircit notre attente. Alors nous craignons plein de choses, manque d'avoir ce qui est indispensable ou ce qui nous semble indispensable pour vivre. Manque d'être, manque de nous sentir être une personne digne, intéressante, utile et aimée. Manque aussi de pérennité de notre être, nous sentons notre être s'user. Et puis donc nous avons cette volonté de laisser une trace dans l'existence, comme si c'était utile. Alors face à ces soifs profondes et ces peurs de manquer, notre attente peut être souffrante, effectivement. Alors cela peut se manifester par de la fièvre, comme la violence, ou bien
cela peut se manifester par cette sorte d'évanouissement de notre attente qu'est le désespoir. Alors, qu'attendre dans la vie et comment attendre mieux et plus attendre? C'est à ce vrai travail que nous invite cette période d'attente de Noël qu'est l'Avent. Se regarder en vérité dans le miroir de l'Évangile avec l'aide de Dieu et travailler sur ce que l'on attend vraiment. Et d'abord, au moins, attendre quelque chose. Et puis choisir un peu plus ce que j'attends, en vérité purifier cette attente. Mais encore la rendre peut-être moins passive, en cherchant modestement à incliner le cours des choses pour ce qui dépend de moi. Et puis sinon améliorer notre réception de ce qui arrivera malgré nous. Alors pour cela, peut-être pourrait-on choisir d'abord pour soi-même de prendre un temps chaque jour pour se tourner à l'intérieur de nous-mêmes, pour y être à l'écoute de nos attentes profondes, réelles, et puis des attentes profondes de ceux que nous aimons, de ceux qu'on entoure, de ceux qui nous sont confiés, et puis des attentes de notre Dieu. Alors cela se fait dans la réflexion et dans la prière, ni seulement dans la réflexion, ni seulement dans la prière. Ce passage de la lettre aux Hébreux met en effet en lien la foi d'Abraham et son attente profonde. Et je crois que c'est une bonne piste. Au moins, pour attendre, il faut avoir foi dans quelque chose. Effectivement, ce texte témoigne dans le début de ce que je vous ai lu. Nous ne sommes pas de ceux qui appartiennent à la fuite et perdent l'âme. Mais nous sommes de ceux qui appartiennent à la foi pour sauver l'âme. Alors ici, comme dans toute la Bible, l'âme, ce n'est pas seulement la partie spirituelle de l'être humain, mais c'est son être entier, vivant, dans sa dynamique de vie. Avoir foi en quelque chose, c'est faire face au tourbillon de la vie, effectivement, et c'est avoir une attente, et cela donne une direction, une visée. Sans cela, nous dit l'auteur de cette lettre aux Hébreux, nous sommes peut-être un peu comme une feuille morte. Nous sommes dans une fuite qui nous disperse, emportée, ballottée par les tourbillons de la vie, par les événements. Mais si nous avons comme une attente, une visée, une foi en quelque chose, au moins en un idéal, bien que secoué par les événements, par les tourbillons de vent, eh bien notre évolution personnelle est un peu orientée, est tendue par quelque chose. Alors une personne qui croit en quelque chose, par exemple dans un idéal, dans des valeurs, cette personne est déjà dans l'attente d'une cité qui est très précieuse. Mais ici, ce que le texte appelle Dieu, est plus qu'un architecte, c'est-à-dire plus qu'une visée qui donne des plans. Mais il est aussi, nous dit cette lettre aux Hébreux, un constructeur, et cela suppose une puissance active qui se développe. Et je crois que c'est la différence, le plus, entre la foi chrétienne et une philosophie humaniste, même si celle-ci est vécue comme une foi animant quand même son sujet. Alors la différence me semble être double. D'abord, la foi humaine, oui, elle a une part de philosophie humaniste, c'est vrai. Jésus ne s'en prive pas, et puis Paul encore moins. Mais nous voyons ici que c'est Dieu qui est ici l'architecte de la cité qui est attendu, pas seulement l'intelligence ou les cœurs humains. Cela ne dispense pas de penser, effectivement, la lettre, dans cette lettre, l'auteur est précisément donc en train de développer une pensée. Mais cela invite à une philosophie qui est humble, une philosophie qui est préparée à de l'inattendu, à quelque chose qui la dépasse, un inattendu qui n'est pas simplement du chaos, mais qui répond à une organisation au-delà de l'intelligible. Alors cette humilité du croyant, à mon avis, elle me semble saine, car elle nous apprend que vivre n'est pas se cramponner à quelque chose que nous pouvons tenir, mais que la vie, finalement, elle ressemble plus à du surf qu'à une marche bien posé sur des dalles en granit d'un trottoir.
Nous sommes en mouvement sur une réalité vivante et mobile comme une vague. Et la foi chrétienne décrite ici n'est pas simplement humble, mais elle est également en attente de l'action de Dieu, une action extérieure, transcendante, formidable. Et donc, cette force, elle agit hors de nous, au-delà de l'intelligible, et elle agit en nous. Et c'est cela qui permet de surfer sur la vague de l'existence et des événements. C'est cette impulsion que donne le Christ et qui permet aux paralysés de se lever et de gambader, d'avancer sur son chemin. C'est cette force du Christ qui permet à l'aveugle d'ouvrir les yeux et de voir le chemin qu'il veut emprunter et même de le choisir, de le décider librement. C'est cette voie qui ressuscite même Lazare et qui le permet de sortir de la tombe et puis à d'autres de le délier. C'est à cette qualité d'attente finalement que nous invite le texte. Une attente à la fois humble et ouverte sur une transcendance, une attente ferme et active et en même temps dynamique, souple, vivante et toute personnelle. Alors, qu'est-ce que la personne humaine peut attendre ainsi? Le premier exemple que nous donne cette lettre avec Caïn et Abel reprend l'éternelle question de l'avoir ou de l'être. Notre attente est comme celle de Caïn, dont le nom signifie possession, et qui incarne ainsi notre attente d'avoir. Ou bien est-ce que nous sacrifions plutôt à une attente d'être vraiment quelqu'un? Cette attente étant incarnée par son frère Abel, le souffle, l'haleine qui est devant notre bouche. Caïn et Abel, tous les deux, comptent sur Dieu, car tous les deux reconnaissent en lui la source de ce qu'ils ont de bon dans leur vie, pour le passé, et tous les deux lui présentent leur attente pour le futur. Alors est-ce que nous serions invités ainsi à nous dépouiller en supprimant Caïn de toute attente de possession, nous serions invités d'arrêter de conjuguer le verbe avoir, non seulement pour ce qui est d'espérer avoir du pain, avoir un toit, avoir une situation, mais même cesser d'espérer avoir des connaissances, avoir des valeurs, avoir des amis, de sacrifier ainsi notre soif d'avoir afin de mieux nous concentrer sur le verbe être dans notre attente. Parce que ce serait plus vrai et que notre espérance soit du domaine de l'être. C'est plus compliqué et c'est plus fin que cela dans la Bible, bien entendu, car notre vie est plus compliquée que cela. Le texte ne dit pas que l'attente de Caïn serait mauvaise, mais que l'attente d'Abel est meilleure. C'est évidemment une mauvaise idée de tuer notre âme dans une attente pathologique de possession, comme le raconte cette histoire de Caïn et Abel. On le sait, bien sûr, mais c'est si facile de tomber dans le panneau qu'il n'est pas inutile de méditer là-dessus, sur cette histoire de Caïn et Abel, d'avoir et d'être de temps en temps. Mais je ne crois pas que l'Évangile soit une invitation au dépouillement. Nous sommes ainsi faits que nous ne pouvons être sans avoir, et donc nous sommes évidemment à la fois Caïn et Abel, et donc ces deux figures de notre être. D'ailleurs, Jésus ne dit pas « heureux les pauvres », mais il dit « heureux les pauvres en esprit ». Et à mon avis, c'est souvent mal compris, heureux d'avoir un esprit de pauvreté, pas du tout, c'est pas du tout heureux d'être pauvre et de manquer. Mais je crois que c'est plutôt heureux ceux qui ont cette attente-là, cette attente de l'Esprit de Dieu, attente finalement de ce principe créateur de Dieu agissant en nous et agissant dans le monde. Alors oui, comme l'attend Abraham, nous sommes dans cette cité que Dieu rêve, dont il est l'architecte et qu'il construit. Il transformera notre façon d'attendre ce qui est nécessaire à notre vie en ce monde. Et alors, c'est peut-être Dieu qui transforme ce rapport entre Caïn et Abel. Et puis quand Jésus déclare un peu plus loin, dans le même évangile selon Matthieu, « Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait très bien de quoi vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus.
Donc quand Jésus dit ça, c'est manifestement pas pour nous inviter au dépouillement, puisque Dieu sait bien que nous avons besoin de ces choses et qu'il nous les donnera en fait, en plus. Peut-être aussi qu'il nous donnera les uns par les autres, avec s'il y a un peu plus de solidarité, un peu plus d'union à ce que Dieu espère comme justice. Mais donc quand Jésus nous dit ça, c'est pour prioriser nos attentes, bien sûr, pour nous concentrer sur l'attente de l'Esprit ou du royaume de Dieu pour aujourd'hui, ce qui est la même chose, ou attente de cette cité que Dieu construit en nous-mêmes et dans le monde. Alors la suite de cette lettre aux Hébreux est intéressante, car après avoir évoqué le drame de Caïn tuant Abel, finalement, elle dit que néanmoins la foi d'Abel parle encore, montrant qu'il n'est jamais trop tard, qu'aucune personne ne s'est perdue au point de tuer radicalement sa foi ni son être au plus profond de lui. Et puis même quand la frénétique avidité de la voir nous saisirait, nous sommes encore quelqu'un, la voix de notre personnalité profonde parle encore. Même quand le désespoir le plus absolu est là, eh bien cette voix parle encore. Elle est peut-être endormie, elle est plus paralysée que morte, nous dit ce texte. Oui, elle parle encore au fond de nous. Mais même en ayant laissé triompher l'avidité des choses matérielles ou celle du savoir ou celle de la morale et du dogme, se privant de cette dynamique de création qu'est Dieu dans notre être, eh bien, par l'amour dont Dieu aime notre âme, sa voix parle et parlera encore. Mais il n'y a pas que Abel qui parle encore, on le voit dans ce que dit cette lettre. Il y a aussi Hénoch qui est descendant de Caïn, et là encore, ça rappelle que Caïn n'est pas un si mauvais bougre que ça. Hénoch, lui aussi, il vit par la foi et vit éternellement, il est recueilli, il est aimé par Dieu, nous dit le texte, laissant entendre que rien n'est jamais perdu pour Dieu, pas même cette attente de possession qu'il est bon de domestiquer, mais pas de mépriser, et qui, elle aussi, finalement, peut avoir la foi et être tournée vers Dieu. Alors l'exemple suivant dans cette lettre aux Hébreux évoque ensuite une autre attente, c'est celle de Noé. C'est celle de construire quelque chose pour sauver notre peau. Cette action, donc, elle conjugue l'avoir et l'être, car il faut évidemment avoir les deux pour construire quelque chose. Mais ici, l'avoir est devenu un moyen, finalement. Ce n'est pas une attente, ce n'est pas une avidité de possession qui écrabouille l'être, comme dans l'histoire précédente. Mais cette soif d'agir qu'a Noé, elle peut aussi devenir une avidité qui dilapide l'avoir et qui écrase notre être. Et cela mérite de se demander aussi ce que l'on cherche vraiment quand on entreprend un chantier. Qu'est-ce qu'on attend en vérité quand on est dans l'activité, dans l'activisme peut-être? Et ce texte nous suggère finalement de nous poser cela, de nous poser cette question par la foi, comme Noé. Oui, c'est par la foi qu'il reçoit de Dieu comme une information spéciale dont il ne pouvait avoir l'intelligence seul ou avant. C'est un peu comme une de ces alertes, priorité au direct, qui surgissent parfois sur nos écrans, jusque dans nos poches, sur notre téléphone. Il avait connaissance d'un monde, connaissance d'un comportement à tenir pour vivre. Oui, il avait ce savoir. Eh bien, cela se trouve tout d'un coup périmé. Noé va mobiliser alors son avoir et son être dans une attente nouvelle, dans une envie d'agir pour sauver les siens. Et donc, il prend des troncs d'arbres, il prend ses forces, il prend son temps, il prend son énergie, il prend son savoir-faire. Il mobilise les siens, il mobilise tout ce qu'il a. Alors cette attente de Noé par la foi, c'est un retournement finalement. Non pas une attente d'avoir plus, mais une attente au contraire de dépenser ce que l'on a au service de ce qui est juste et d'y impliquer son être. C'est donc une réorganisation intéressante, je pense, de l'avoir et de l'être que nous propose aussi l'attente de Noé. Et là encore, cette foi qu'a Noé le met au bénéfice du Dieu, de Dieu architecte et constructeur. Mais Dieu n'est pas architecte, n'est pas constructeur sans Noé finalement, mais plutôt avec Noé.
Et c'est ce Dieu qui lui permet d'être souple, de s'adapter, d'anticiper la vague. Et quelle vague, finalement ? Une vague qui va venir et il pourra surfer dessus, finalement, sauvant les siens, sauvant son monde. Et devant, finalement, tant de douces puissances divines qu'il va finir par découvrir, et non pas la violence de Dieu, Noé est impressionné. Il est humble et reconnaissant dans la suite de l'histoire. Alors Noé nous invitait à revisiter par la foi notre attente en ce qui concerne l'avoir. Abraham, je pense, nous invite à revisiter notre attente dans le domaine de l'être. Dieu lui adresse et il nous adresse une vocation. L'entendre nous met en route vers un lieu que nous ne pouvons pas connaître puisqu'il appartient au futur, un lieu donc qui n'existe même pas encore finalement, mais un monde qui vient, un lieu qui vient. Et ce lieu, c'est une façon d'être finalement qui est assortie d'une promesse. Par définition, ce lieu est donc étranger à tout ce qui nous a précédés, étranger à notre passé, étranger à notre présent, étranger à notre être d'aujourd'hui. Ce lieu, c'est une nouvelle façon d'être, mais qui est en mouvement. La lettre aux Hébreux insiste bien là-dessus, tout au long de l'histoire d'Abraham, qu'il raccourcit, mais avec une jolie pirouette qui est à la fin donc, de cet épisode sur Abraham. C'est la lettre aux Hébreux nous dit en effet que Abraham, par la foi, vient s'établir dans la terre promise, mais comme un pays étranger habitant sous des tentes. Normalement, on attendait qu'Abraham habite comme chez lui, dans cette terre étrangère qui lui est donnée par Dieu, qu'il s'y installe en possesseur et en maître de cette terre. Mais c'est l'inverse. Cette terre est à lui, mais il l'habite en étranger, en nomade, en voyageur sous une tente qui est donc faite pour être démontée le lendemain matin pour aller ailleurs. Eh bien, c'est ce que j'essayais d'exprimer finalement avec cette image du surf sur la mer qui m'est inspirée donc de l'histoire de Noé. Habiter notre être, habiter ce que nous avons, notre monde, nos dons, nos valeurs, notre théologie, notre religion, notre culture, avec souplesse et mobilité, avec fluidité. En étranger, en nomade, pas en maître, pas en patron, pas comme un requin qui mange tout cela, mais comme un invité, comme un étranger qui découvre une culture qu'il ne connaît pas et puis une météo imprévisible. Avec Abraham, nous apprenons à attendre que notre être s'anime en une bénédiction profonde, vivante, pleine de nouveautés, réellement. Alors je n'ai jamais fait de surf, mais j'ai fait pas mal d'autres sports de glisse finalement. Et je remarque que quand on se lance la première fois, il y a un temps de vertige, car on a plus une prise qui nous assure sur un sol bien ferme. Mais alors c'est le mouvement qui nous porte, ce sont des forces puissantes qui ne sont plus les nôtres, plus seulement la nôtre. C'est la vague pour le surfeur, c'est la neige poudreuse profonde pour le skieur, c'est les ascendances pour le parapentiste, c'est la terre de la piste pour le motard. Alors au début, c'est un peu comme cela, je crois, pour le croyant qui commence à interroger son dogme. C'est un peu comme le philosophe athée qui commence à découvrir la prière, le vertige de l'inconnaissance. C'est se fait alors sentir, oui, comme un vertige peut-être. L'eau est profonde, le vent est fort, la vague se creuse, puissante et nous soulève, mais c'est elle qui nous donne la liberté d'une belle trajectoire. Oui, la foi, c'est attendre comme cette vague et jouer en équipe avec elle. Amen.